Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de notre aventure dans Don't Starve. Eh oui, on est reparti après pas mal de temps de farm, j'ai dû faire 2, voire 3 saisons. On va bientôt entrer en été, donc ça va pas m'intéresser du tout, on va se barrer d'ici. Mais avant ça, on va essayer de faire éclore ici un œuf de Tailbird. Eh oui, donc j'ai passé pas mal de temps dessus. Là, oulala, 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 il est en train de transpirer, ça veut dire qu'il est en train de cuire. Donc là, ça devrait pas éclore dans trop longtemps. Je sais pas ce que veut dire cette phrase, il va éclore très vite, hein. C'est tout ce que je voulais dire. Là, on va essayer de se faire des petits plats pour amener avec nous, bien évidemment. Mes produits, en fait, avec le temps qui passe, ils n'arrêtent pas de perdre en qualité. Mais on devrait avoir quelque chose de potable. J'ai eu des petits soucis ici et là, mais de manière générale, ça va. J'ai pu tuer du coup un vrai géant cette fois-ci, avec ses gosses. Donc le géant là, par contre, pendant l'hiver, j'ai vraiment pas eu de chance parce que l'ours bear là, il était pas venu. Il était pas venu, donc j'ai pas pu avoir son œil et me faire un parapluie. Donc je me balade avec un maudit parapluie qui m'empêche d'utiliser les outils en même temps autre chose. Donc ouais, c'est assez pénalisant en fait. Donc je l'ai attendu, j'ai fait tout l'hiver. J'ai farmé énormément de chapeaux de morse aussi. Donc non. Donc ça, au moins on est prêt parce que le chapeau de morse est super utile. J'en ai pas farmé tant que ça, mais en fait, l'astuce c'est tout simplement d'en tuer un. Enfin, ce que j'ai fait, c'est j'ai sauvegardé dès que j'étais à côté d'un morse, éloigné de son camp. Et du coup, je le tuais. Et si j'avais ce que je voulais, c'était bon. Sinon, j'allais relancer la chose. On va prendre cette viande ici, parce qu'on va se faire une arme. Mais je vais encore attendre un petit peu. Le wiki me dit que ça prend 10 minutes à faire. Donc 10 minutes dans le jeu. Et j'ai déjà passé pas mal de temps, en fait, à le regarder. Donc là, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va prendre les bons items avec nous. Le délicieux Chester, on va le laisser là, malheureusement, parce qu'il vient de toute façon pas avec nous. Il est vide. Non, il y a des graines dessus. Il y a des graines dessus. J'ai essayé de mettre là une petite agriculture. Donc on va se faire des cordes. Regardez ça. On va se faire des cordes. C'est une idée que j'ai eue maintenant, parce que les cordes demandent énormément en fait de bois. Et si jamais je veux dormir, bah, j'utilise pas mal de foin en fait et ça épuise mon stock, tout simplement. Donc là on va essayer de se faire le maximum de cordes possible. On garde un œil sur l'œuf. Allez. Combien? Est-ce que c'est 20? Est-ce que c'est plus que 20? Ok, on a 20 cordes. C'est parfait comme ça. Je vais mettre un peu plus de feu. S'il commence à transpirer, je le verrai. Et du coup, je suis descendu aussi dans les cavernes pour crafter des armes ultimes. Attention, attention. Oh yeah! Alors, vous inquiétez pas, j'ai dupliqué, en fait, les ressources pour que ça aille un petit peu vite. Mais je pense que je vais surtout prendre les casques avec moi. Ou alors, du moins un ou deux casques. Parce que là, ça fait quand même beaucoup d'items. Ok, il tient encore. Mais j'aimerais bien qu'il éclose. Ok, vas-y, on va prendre ça sur nous. Donc là, j'ai deux choses qui sont bien, bien équipées. Wickfried est vraiment, vraiment prête. Alors, évidemment, on va devoir construire des petites choses ici. Et on va se faire une machette en or. Parce qu'on a vu que c'était assez utile. Et ici, j'ai commencé à produire un peu plus de baume. On va prendre des baumes avec nous plutôt que des baumes soignants au miel. Parce que ça, c'est un petit peu plus difficile à faire. J'ai pas mal de miel, mais c'est... Voilà. Vas-y, on va continuer à en faire. Ça demande de ma pierre en plus. Mais là, on va essayer de partir avec un stack comme ça. Donc ça veut dire qu'on pourra se soigner et maraver le petit... Ok, je n'ai plus de cendres. Oh, punaise. Ok, alors pour avoir de la cendre, je pourrais brûler un peu de brindille et tout ça, mais c'est des choses qui sont assez utiles. Mais
Il est fou dans sa tête, lui. J'ai pas envie de le maraver. Vas-y. Ok. D'accord. D'accord. Alors, on va mettre notre parapluie. J'ai déjà perdu, en fait, des charges de trucs. Vas-y, vas-y. On va voir. Est-ce qu'on va pouvoir... Oh, punaise, regardez ça. Donc là, ça me soigne plus. Ouais, les pierogies, c'est vraiment... C'est la meilleure chose au monde, hein, mais bon. Alors, on va mettre ça. Je sais pas si c'est possible. Avec un petit morceau comme ça. Ah, je sais ce qu'on va faire. On va faire des brochettes de cuisses de poulet, donc. Ok. Et je vais avoir besoin de ce marteau aussi. La glace qui est là. C'est vrai que la glace nous serait très très utile. Mais normalement, j'ai assez de nourriture. J'ai assez de nourriture. Ah, il a froid là. Est-ce qu'il a froid? Il est tout bleu comme ça, mais là, sa couleur me dit rien. Je vais le prendre. Ouais, on va attendre demain. On va attendre demain. Allez, on va se nourrir de ces trucs-ci. Et je veux vraiment pas être en été. Hein. Okay, j'ai que 12 pierogies avec moi. C'est pas énorme. Alors, ma tente est ici. Ok, on va le remettre. On a des petites brochettes. Allez, vas-y. Non, je vais perdre énormément de temps avec ça, je pense. Vas-y. Mais je pense qu'il était... Je pense qu'il avait peut-être froid, mais la température ambiante est assez haute. Ok. Alors, en termes d'items... De ce qu'on va emporter avec nous, ça va être évidemment de quoi nous défendre. Le marteau pour casser le truc. Ah, punaise, il faut pas que j'oublie ça. Non, c'est pas ici. C'est là. Donc, on va prendre ça. Ça et ça. On va faire des sarbacanes pour endormir en fait le. Ah, juste, c'est pas ça. On va prendre ça. Il me faut du papyrus. Donc on va faire des sarbacanes pour endormir en fait le petit paon, plutôt que de faire une flûte, parce que la flûte prend énormément de choses. Ok. Vas-y, on va en faire juste un tout petit peu. On prend l'or qu'on peut prendre. Donc ouais, il y a énormément d'items que je vais avoir avec moi, et ça c'est problématique. Mais je pense que cette teuf, tu vas... On va le laisser derrière. Hein. Et j'ai un peu trop d'armure aussi avec moi. Un peu trop d'armure. Attendez, mais je suis déjà assez chaud comme ça. Donc oui. Allez, allez. Mais peut-être que c'est 10 minutes ininterrompues. C'est. Ce que je vais faire, c'est je vais le mettre dans un coffre et on va partir. Parce que là, franchement, il me... Il me tue un peu. Je vais le mettre là. Et on fera ça en temps venu. Là, est-ce que je suis prêt psychologiquement? Psychologiquement, est-ce que j'ai pris mes baumes? On a ici 38 baumes. On va prendre ça. Et je vais prendre ça. Et on va faire une arme ici. On va faire la... La batte de jambon. Voilà, parce que la batte jambon, elle est très très utile. On va laisser le parapluie derrière nous, on n'en a pas besoin. On va se remplir le ventre. Ok, le ventre est bien rempli. Et on prend du coup notre nourriture. Ah mon dieu, j'ai l'impression que c'est pas tant que ça. Vas-y, rentre là. Ouais, c'est pas beaucoup du tout cette nourriture. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je peux avoir de la viande de monstre. Et je sais pas si on prendrait pas de la glace avec nous.
Mais j'aurais pas le temps de cuisiner ça en fait. C'est ça le souci. Je peux prendre du miel avec moi éventuellement. Je peux prendre du miel avec moi. Alors qu'est-ce qu'on peut laisser derrière? Je vais laisser un casque derrière parce que j'en ai trois. Ouais, non, trois c'est un peu abusé même. Pas ici qu'ils vont, mais c'est pas très grave. Ah ouais, il faut pas que j'oublie de prendre cette bave. Je vais prendre la bave. Alors, ces plats tiennent longtemps. Ces plats tiennent longtemps, mais pas si longtemps que ça. J'ai mon chapeau. Ok. Là, c'est vraiment la pelle majestueuse, on s'en moque, je pense. J'ai juste besoin de casser des choses, donc le marteau, il va nous faire de la place très très vite. Ok. Et ça, c'est parce que j'ai envie de construire quelque chose. Tac tac tac. Allez, je vais prendre du miel avec nous. Je vais prendre du miel. Le miel tient super longtemps. Alors, on va prendre quand même un multiple. Un multiple de 3. Vu qu'on en mettra 3 dans dans la machine. Et du coup, je vais prendre ici de la viande. Mais je vais aller dormir. Je vais aller dormir et puis on part demain au lever du soleil. Ok, j'essaie de réfléchir et voir quelque chose que j'aurais pu oublier. Mais je ne vous vois pas comme ça. Ok, j'ai de l'or. Ah, je vais prendre du coup mes ressources. Allez, on va maxer un peu les ressources parce qu'à chaque fois je me prenais la tête à en ramasser. Donc là, non, on va pas faire ça. Ok, j'ai assez de paille. Le silex, ça, j'en ai pas besoin. On va prendre ça. On va voir si j'ai de la place, sinon je prendrai plus de bois. Parce qu'en plus, je peux faire du coup des armures avec ça. Ok, on est parti. Je crois que ma tente va peut-être me lâcher là. Ok, nous sommes en été. On s'en moque. On se barre très très vite. Vas-y. Glacière. En fait, le truc, c'est de ne pas partir avec des objets qui sont trop fumés. Et je pense que le bâton ici, je vais le laisser derrière moi. J'en ai pas besoin. En tant que tel, un autre casque aurait été mieux à sa place. Parce que là, normalement, ce jambon devrait me tenir un petit moment. Donc ça, c'est pour ma sanité. Ça, pour nous soigner un petit peu en combat. Et ça, c'est pour transformer toute viande de monstre en quelque chose de potable. Et ça devrait me tenir un petit moment. Ah là 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 là. Le stress commence à monter. Le stress commence à monter. J'espère que t'es pas en train d'éclore. Ok. Là, je pense qu'on est prêt, hein. Allez, on va prendre du coup un autre stack de ça. Et on est parti. J'ai mes fléchettes anesthésiantes. On est parti. Non, Hamlet, s'il te plaît. Je me suis fait avoir. J'ai mon baume de soin, j'espère. Allez, ciao, à plus. Ok, le monde dans lequel nous arrivons est déjà horrible. Donc, par contre, ce qui est bien, c'est que je vais les maraver, ces connards. Vas-y. Ok, on fait 70 de dégâts, c'est énorme. Là, je vais perdre toute mon armure. Mais en fait, il faut que je ramasse mes objets. Naze. Les gars, vous êtes sérieux là? Je fais attention à mes PV quand même. Ok. C'est vrai que mon bouclier est juste génial. Je peux me les faire sans souci. Ma sanité baisse. Ok, quand j'ai mon bouclier, je pense que je devrais. Ok, on va les tanker, ces connards. Vous vous rappelez de moi? Ok, il y a des comètes qui tombent. Alors toi, tu veux mourir. Oh punaise, je savais que j'avais oublié quelque chose. Je savais que j'avais oublié quelque chose. Ok, le feu, par contre, il faut faire très attention à ça. Non mais le jeu me laisse même pas respirer 2 secondes, quoi. Ok, il a... Vas-y.
On va essayer de l'attirer par ici. Loin de mes items. Ça veut dire que j'ai des choses qui sont déjà construites. Et on connaît notre forêt. J'ai des plumes là où je suis mort. Donc je peux ramasser mes items. Ok. Alors ces trucs-ci me distraient énormément. Notre bois s'est transformé en autre chose. Donc là, niveau sanité, bah, j'ai qu'à mettre ça. Et je vais augmenter en sanité. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Ok, moi, c'est lui que je veux me faire. Mais vous savez quoi? On va juste prendre ça. Et on va se barrer. Donc ici, nous avons ces objets-ci. Parce que j'en ai tué plusieurs. Et on devrait être capable... Alors, je sais pas dans quel onglet est-ce que c'est. Parce qu'il nous a appris un plan, en fait. Ok, je vais laisser ça là. Et ici, il faut qu'on trouve nos items. Non, m'attaque pas. Inès, mais vous êtes sérieuse? Ah, ok, il va détruire mes items. Celui-ci va détruire mes items. En fait, j'ai pas ma poudre à canon. Donc il faut qu'on se le fasse. Mon armure va se casser. Est-ce que j'ai une autre? Oh, mais punaise, quoi. J'ai même pas 2 secondes pour respirer. Ok. Là, c'est Hamlet, hein, en même temps. Attendez, si je le fais traverser par ici, est-ce qu'il prend des dégâts? J'utilise déjà ma seconde armure, c'est incroyable. Ok, on va partir. On va essayer de les ramener par ici, et puis... Mais le problème, c'est que j'ai pas de place. Et il y a des bêtes qui veulent me manger. Alors, j'avais oublié le stress de ce truc. Vas-y, on prend ça. Ok. Ils vont finir par me désaggro, donc c'est pas un souci. Oh, il les tue! Ah, mais s'il les tue pour moi, c'est génial! Ok, bah c'est parfait. Et en plus, il est invulnérable. Ok, ma sanité est pas top là. Vas-y, viens avec nous. Viens t'amuser dans cette. Ok, on remonte notre sanité. Alors, je vais mettre ce casque-ci. Normalement, je devrais pas prendre de coups. Ok, il faut qu'il puisse attaquer le héros aussi. Alors regardez cette Wigfried, elle est bien habillée et tout. Ok, il y a 2 héros là. Ok. Alors j'ai pas vu combien de dégâts ce qu'il faisait. Et malheureusement il s'entre-attaque pas. Ok, là je suis complètement folle. Ça fait plaisir. Mais non, mais sérieux, les gars, sérieux. J'ai de la viande cuite ici. Ok, ils sont en train de se tuer là. D'accord, ça c'est parfait pour nous. Voilà. Du coup, je vais t'attaquer. Ah non! Punaise, mes items. Ok, là, je suis bien, bien plus lent. Donc, les esquives sont pas aussi efficaces. Hein. Allez, vas-y. Je ramasse mon truc. Je ramasse ça. Et on est bon. Ok. Alors, il s'auto-attaque pas, hein.
Non, il s'attaque pas. Ok. Par contre, la main, je sais pas où est-ce qu'elle est. Ok. Bah, c'est pas très grave. Donc là, je vais pouvoir manger. La nourriture n'a jamais été un souci. Allez, viens ici. Vas-y, vas-y. Ah non, mais ils auraient pu me laisser genre un jour de répit, quoi. Ok. Mais qu'est-ce qui baisse ma... Ah, c'est l'eau. Est-ce que c'est parce que je suis venu humide? D'accord, mais si c'est le cas, les gars, dites-moi ça. On va se faire un petit feu de camp et on va se sécher. Non mais casse pas mon feu. Ok, il les a tous détruits. Donc là, j'ai pas vraiment plus de sanité. D'accord. Vas-y, je vais remonter ma sanité. Avec la viande. Et je vais mettre ce casque. Voilà, là, on peut du coup annuler cette baisse de sanité. Mais en fait, ce monde, il va ressembler à rien du tout quand on en aura fini. Parce que ça veut dire, en fait, que différentes ressources sont par terre et je suis mort ici. Ok, donc il faut que j'aille par là. Ouïouïouï. Heureusement que j'ai une bonne armure. Mais je pense qu'on va devoir se les faire dans une petite clairière, mais les héros sont partout. Ils sont partout, partout, partout. Ok. Et malheureusement, attendez. Faut que je ramasse les plumes et le tissu. Ok, vous savez quoi? Non, là, ils vont me... Vas-y. Normalement, c'est du deux coups, mais... Ok, on voit que je me soigne, ça veut dire que j'en tue quand même. Mais elle change de cible. Elle change de cible. Ok. Vas-y, viens, parce qu'ils sont assez rapides, hein, c'est cool. Ok, j'ai perdu mon armure, ça devient plus sérieux. D'accord, on se fait une armure. Ok, j'ai même pas le temps de faire une armure. Ok. Ouais, tout est là. Mais si jamais un héros vient ici, il va pourrir le truc. Ok, alors est-ce que je peux respirer 2 secondes?
Mais non, mais non, mais non. Waouh. Waouh. Ok. Il y a des chiffres là-bas. Alors. Je ne sais pas. Là, je ne sais vraiment pas, quoi. Y a une pelle. Ok. Donc là, on va s'échapper. Ce que je vais essayer de faire, c'est tout simplement de ramasser des objets. Ah, j'ai perdu mon arme. Maudit lapin. Lapin. Maudite grenouille. Mais cette fois-ci, je ne suis pas empoisonné, donc il n'y a pas de limite de temps.
Ok, donc là les choses vont commencer à changer un peu. J'ai pu ramasser du coup le tissu. On a les plumes, on a le tissu. Alors, je vais regarder un petit peu voir le casque. Est-ce qu'il demande autre chose? Et je vais avoir besoin d'un peu de temps pour le construire. Il faut qu'on s'éloigne. Est-ce qu'il y a une machine qui a été construite quelque part? Ok, on a un autre crackpot qui est ici, mais j'imagine qu'il est infesté. Et il me faut la machine pour que je puisse voir en fait ce à quoi il ressemble. Donc je vais essayer ici de distancer ces petits trucs. Sinon on va se battre contre eux, j'aurai pas le choix. Mais là, au moins j'ai une machine qui est prête. Même plusieurs. Donc s'il en reste deux, c'est très bien ainsi, on va se les faire facilement. Et un héros vient d'apparaître, je crois. Donc du coup. Non, 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 non. Non, 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 viens pas sur moi. Ok, il a changé de cible. Ok, là il y en a 4 seulement, on peut se les faire. D'accord. Bon bah la main peut peut-être nous aider, mais j'ai pas confiance en ça. Ok, il y en a un qui est affaibli. Ok, ils sont bien affaiblis. Ok, on va profiter de cette accalmie. Vite, le jeu me fait pas stresser quoi, punaise. Alors, le masque. Où est-ce qu'il est ce fichu masque? Ok, je vais faire pause et aller regarder où est-ce qu'on fait ce masque de zut. Ok, il se fait avec ici dans le chapeau. Voilà, on a le masque à gaz. On peut enfin rentrer du coup dans ce truc de merde. Ok, là, je peux peut-être monter un peu ma sanité. Ok. Notre sanité est bien. Je vais profiter de ce temps pour dormir. D'accord. Va chez ta mère. Ok. Donc en fait j'ai des items qui me servent à rien. Les fléchettes anesthésiantes, elles me servent à rien du tout. Ici, les plumes, je pense pas que je puisse recharger quoi que ce soit. Mais là au moins, on est dans une situation où je peux rentrer dans la zone empoisonnée. Et vous savez quand on va se faire cela? On tape à 75, hein, c'est énorme. Ok. J'aurais mieux les esquiver, mais vous allez me dire. On n'a pas le temps pour ça. Ok. Donc là, je vais pouvoir respirer. J'ai de quoi faire de la nourriture. Le miel me sert à rien. J'ai juste 18 de nourriture. Et on regarde un petit peu nos items ici. J'ai le casque qui me permet de voir, mais je ne pourrais pas utiliser le casque et en même temps le masque à gaz. D'accord. On va juste se faire une autre armure. D'accord. On est parti. Cette fois-ci. On est bon, on peut atteindre le biome du désert. Je sais pas si je peux passer par là. Ok, un autre héros. Et on a utilisé du coup notre unique machine. Mais ça va. Là, il semble. Il faut pas parler. Ok, il y a de l'eau, donc c'est bloqué par là. On va faire un petit bateau. Non, ça utiliserait mon bois. Et j'ai même pas pris de hache. Donc il faut que je fasse brûler autre chose plutôt que mon bois en fait. Ok. Alors, je n'aurai pas le temps de rentrer dans le truc et je pense que les bêtes vont me suivre aussi. Allez. Attention. Alors, le biome empoisonné, ok, il est là. Ah, les araignées. Ok, donc là, je suis tranquille.
Eux, c'est pas trop un danger, mais ils m'ont vu, donc du coup, maintenant, ils me... Ah, zut, il faut que je les tue avant. On va essayer de les distraire plutôt que... Alors, où sont les lianes? Parce que les lianes, au moins, elles les frappent. Il y a des lianes ici, peut-être? Non, c'est un héros. On a notre machette. Mais en fait, le casque me permet de tenir pendant un petit moment. Il me permet d'être invulnérable. Ok, on va rentrer. Donc là, nous avons le masque. Il faut qu'on trouve le totem pour commencer. La porte. Ok, là c'est le moment parfait pour nous. Faut qu'on trouve l'entrée. Ah, punaise. Peut-être que je l'ai vu. Non, je l'ai pas vu. Ok. Est-ce que c'est ici? C'est ici. Ok, évidemment. Regardez cette quantité qui est apparue. Ah, ils sont empoisonnés. Ils sont empoisonnés. Oh, c'est génial. Oh, le jeu, je t'adore. Je t'adore, le jeu. Je vais avoir plein de viande. Ok. Vous avez pas préparé vos masques à gaz? Bande de connards. Ok, ils vont mourir très très vite. Par contre, il faut pas qu'un héros apparaisse ici, en fait. C'est ça le problème. Ok. Bon, ils vont manger toute la viande, mais je m'en fous. Le totem est ici, on rentre. Ok, donc maintenant c'est un autre problème qu'on a. Alors, je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici pour la vidéo parce que il y a des petites manifestations qui se font pas loin de moi, et je sais pas si ça peut s'entendre au... Ça peut s'entendre sur la vidéo, donc je vais clôturer ici. Déjà, c'est un épisode un petit peu long. Eh oui, parce que j'ai couru pendant pas mal de temps. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein, me voir souffrir, sans doute que ça vous plaît intérieurement. Mais bon, là, on est enfin dans la cave, donc ça devrait être quelque chose de bénéfique. Mais je crois que ça, c'est juste en fait une téléportation vers un autre lieu, et il faut que je rentre dans une autre cave en fait. Donc, mais si on est dans la cave, peut-être que le héros ne va pas apparaître. Donc, cave, de cave en cave, on peut peut-être s'en sortir. On a de la viande ici. On a ça, je pense qu'on peut se faire un petit plat et bien manger. Alors, du coup, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et éventuellement à vous abonner. Ça me ferait plaisir, donc merci d'avance. Et en attendant d'autres vidéos, je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur Memoria. Allez, salut!